son parent. Une foi pervertie, puissante, séculière, mais une foi que la peau a dévia de ses parents. Une foi qui a mené ses hommes à la guerre, une foi que tant de peuples parlent de ses parents. Il était une foi lumière et misère, mais la secrétaire. C'est ces trois fois. Mais une foi, toutefois, de façon bien plus entière. Et cette foi, elle se trouvait simplement à l'intérieur de soi. Goslam City, c'est un collectif de 4 slameurs, de 4 artistes rassemblés autour d'une passion qu'est le slam. Stoke, le chauve-souris, Gizré et Mozart, de leur pseudonyme, ne feront pas que monter sur scène. Leur collectif animera également des ateliers d'écriture avant chaque scène. La force du slam en soi, c'est qu'à la base, il n'y a pas de règles bien précises de poésie. Chacun peut venir déclamer son texte. Il n'y a pas nécessairement en rime, mais voilà, c'est le fait de pouvoir être sur scène, de dire ce qu'on pense, un coup de cœur ou bien un coup de gueule ou une souffrance ou un côté un peu plus humoristique ou comique. Voilà, c'est vraiment ouvert et à tous, et surtout le public rencontré lors de ces scènes, mais aussi les participants, est très large. L'ambiance des tournois de slam est toute particulière et la réussite est au rendez-vous. Tout a commencé un samedi soir devant une quarantaine de personnes, jusqu'à ce qu'on en retrouve plus de 150 lors de la dernière soirée. C'est un peu difficile d'expliquer l'ambiance qu'on ressentit lors d'une soirée slam. Hein. On a beau expliquer, tant qu'on n'est pas venu, c'est un peu comme si on demandait à quelqu'un de décrire l'océan ou la mer. S'il n'a pas goûté ou s'il n'a pas plongé dans l'eau, ben, il ne peut pas savoir. Ici, c'est exactement la même chose. Il faut que les gens viennent, voient l'interactivité entre le public, les participants et l'échange qui se fait également. En plus d'événements en Belgique, le collectif représentera Charleroi lors de concours à l'étranger. En attendant, rendez-vous les 20 mars, 17 avril et 23 mai à la Brasserie de l'Éden.